Précédemment, dans la Star Academy, après la victoire de Zahira en demi-finale, c'est au tour de Lorraine et de Daniel de s'affronter. Daniel se surpasse, il enchaîne les défis. De son côté, Lorraine hypnotise et enchante. Et c'est le public qui a le dernier mot. Le finaliste de la Star Academy 2013, c'est Lorraine. C'est une véritable douche froide pour Daniel et Zahira. Elle ne s'attendait pas du tout à son élimination. C'est une semaine. Ouais, ça va être... Ça va vraiment être compliqué. De retour au château, Lorraine est partagée entre la joie d'être en finale et la tristesse de voir une Zahira si désarmée. Je comprends que ça lui fasse un vide et il va lui falloir un peu de temps pour s'habituer à ça, mais il va falloir qu'elle le fasse vite, quoi. Alors, qui de Lorraine ou de Zahira sera la gagnante de la Star Academy? Qui décrochera son premier album? Aujourd'hui, vous allez voir que les professeurs vont être derrière elle pour les aider à se surpasser. Putain, vas-y. Vas-y, Zahira. Vas-y, je t'attends. Et vous verrez que nos deux finalistes sont partis à la rencontre de leur public. Ils sont 14. Ils ont un rêve, devenir chanteurs. Ensemble, ils ont intégré le château de la plus célèbre académie de France. Pendant 12 semaines, ils vont vivre l'aventure de leur vie. Passion, amitié, compétition et rencontre avec les plus grandes stars. Ils n'auront pas d'autre choix que de se surpasser. Qui sera le meilleur élève de la Star Academy? Qui sortira son premier album? À la fin, il n'en restera qu'un. Et c'est vous qui décidez. Souvenirs comme ça, genre. On va les veiller, ça. On l'odeur. On le mange dans le. Ah, mais je prends un chocolat, alors ça, on le mange dans le. Bonjour, il est l'heure. Bonjour. Il est l'heure de se réveiller. Bonjour. C'est avec les pains au chocolat, les croissants. Pains au chocolat. Les petits pains. J'ai mal dormi, évidemment. Puisque j'ai passé ma nuit à pleurer et je me fais réveiller par tous les profs avec un petit déjeuner. J'aurais pas pu rêver mieux comme réveil, même si je pars quand même faire le cours de Pascal. J'ai une surprise pour vous deux. Allez, prenons les pommes au chocolat. Allez, venez. Vous montrer la surprise. La surprise. Ta-ra-ra-ra-ra. C'est un toboggan, non, c'est dans l'autre sens. Il va falloir que tu montes. C'est pas pour descendre, c'est pour monter. Avec les barres, tu sais, avec tes bras. À première vue, l'espèce d'énorme machin gonflable ressemble un peu à un divertissement après le sport. Nous, on s'attendait plutôt à un toboggan, en fait. Quand on voit de plus près, c'est pas du tout ça. Plutôt un engin de torture et de musculation extrême. Par contre, vous avez 5 minutes. Vous avez que 5 minutes, hein. On est mais supporters. Non, vous êtes Juliette, on est supporters, simplement. Ouais, non, vous êtes actrice. Vous faites du sport avec nous, bien sûr. Non, ah, vous allez encourager les filles. Je vais faire du sport avec Juliette. Non, moi je te regarde. Non, il est sérieux. Il est sérieux, là. Ah, tu sais quoi, Juliette, c'est non négociable. Non, mais là, il est sérieux. Moi, je suis prof d'expression physique. Oui, moi, j'ai rien à voir. L'expression physique, moi, j'ai rien à voir. Quand je vois que Pascal a décidé d'emmener avec nous Aspop, Juliette et Zaya, je me dis qu'ils vont partager la douleur avec nous, alors que ça va peut-être être plus facile. Pour une fois, ils vont enfin comprendre ce qu'on vit avec Pascal et la difficulté du truc. Je vous propose... Alors, écoutez-moi, de visiter le parcours. Ensuite, on va s'échauffer tranquillement pour pas se blesser. Attends. Le parcours. Non. Mais elle va me faire rire, je vais pas réussir, moi. Attends, là, ça va pas, là, déjà. Là, je me sens pas bien, là. Alors, Pascal, je vous explique. Là. Normalement, ouais, vas-y, on effectue tout le parcours avec les poids. Avec les poids. Non, je bosse pas du tout. Non, mais je sais que tu blagues pas, moi, parce que c'est dangereux, là. Allez, on se casse. Venez, c'est bon, laissez. Allez, là, c'est bon. Hé, Laurent, c'est bon.
J'ai beaucoup d'admiration pour Juliette et Zaya parce qu'en tout début de cours, elles ont simplement dit non et elles sont parties en courant. Moi, c'est un grand rêve de faire un truc comme ça pour moi, de m'échapper du cours de sport. En même temps, c'est mal connaître Pascal parce qu'elles sont vite, vite revenues et elles ont fait sport. Tout le monde est prêt? De toute façon, on n'a pas le choix. À vous, Marc. Prêt? Partez! Allez, Aspa! Ah, mais ils sont loin, j'ai des petites jambes! Je les rapproche! Les pompes, allez! Allez, Juliette, tu ralentis! On les a tués! Regarde la tête des perdants. 10 joueurs! Pascal, je me suis crevé pour rien! Non, c'est jamais pour rien! Ouais. J'ai trouvé plutôt sympa de les voir dans un autre contexte. En même temps, je me suis rendu compte qu'ils étaient vraiment égales à eux-mêmes. Dur, hein? Ouais, ça, c'est juste pas possible. Je vais faire. Ok, qui commence? Alors, vas-y, en premier. Ah, ben, en premier, parce que je pense que je commence là. Si t'en fais une, Et là, on prend le temps qu'on veut, y'a pas de chrono, y'a rien. Ah, tiens. Allez, go! Allez, go! Oui, Zaya! Oui, Zaya! Ouais, allez, ouais. Allez, Zaya! Tu peux! Attends! Zaya, t'assures? Zaya, elle va finir en haut. Ah oui! Allez, Juliette! Allez! Lâche, t'inquiète! C'est bien, Juliette, c'est bien! C'est bien, continue, voilà. Lâche pas! Allez, Juliette, lâche pas! C'est dur, hein! Mais comment je fais? Bien! Oui! Oh, allez, quelqu'un d'autre! C'est bon? Attends. C'est bon? Oui, c'est bon. Ça glisse vachement. Ça glisse! Vas-y, Zaya! Mes pieds! Oh putain, vas-y! Vas-y, Zaya! Vas-y, je t'appuie! Mais c'est extraordinaire! Vas-y, Pascal, ça change! On est arrivé les premiers! Non, y'a pas de chrono! Mais si, on arrive en premier! Ah, ça me marre, Juliette! Elle est trop maligne, Juliette! Ah non! Ah, vous savez quoi? Tout le monde en haut. Oh, franchement. Allez, venez. Tout le monde en haut. Oh, ça fait une mètre de mer, hein. Je vous en attends. Oh, c'est là qu'on vomit, c'est ça? Merci à tous. C'est parce qu'on approche de la fin qu'on peut se permettre d'être un petit peu plus proche de nos profs. Et ça fait aussi un peu bien de se dire, voilà, on se relâche un petit peu et on prend les choses avec un petit peu plus de légèreté. Tu vois, c'est là, si tu fais appel à la mémoire, tu fais ça tous les jours, là, franchement, là. Ouais, franchement. L'important, c'est de participer. Ouais, pas de gagner. Non, il faut être humble. Mais on vous a Faut être humble. Oh, on vous a cassé les deux bras. Faites de fête, pour mieux. Merci, Pascal. Non, merci à toi, Zaira, merci à toi, Lorraine. Finalement, ça fait du bien, hein. T'as vu, hein? Ouais, carrément. Ah, c'est bien éclaté. Le cours de sport m'a fait beaucoup de bien dans le sens où la veille j'étais vraiment vraiment pas bien du tout, mais ça n'a pas suffi à m'enlever le manque de Daniel. Mais bon, j'ai pas eu le temps de te le dire, mais tu méritais tout autant ta place. Hein. C'est parce qu'il me manque et voilà, tu sais très bien, mais tu mérites largement ta place en finale. Et je le pense sincèrement. J'avais pas forcément besoin de l'entendre, mais c'est vrai que ça me fait quand même plaisir. Je sais que c'est compliqué. J'ai vécu le départ de Louis aussi et j'ai eu du mal à m'en remettre avant bien 2-3 jours. Je suis venue vous dire quelque chose que vous allez sortir cet après-midi. En tant que finaliste, vous allez enregistrer 2 titres. Vous allez partir en studio. Vous êtes contente? Ouais. Passez un bon enregistrement. Merci. Et puis on se voit la semaine prochaine, d'accord? On est super contente et super excitée d'aller enregistrer ce titre. Voilà, on a envie que ce soit bien, que ce soit propre. Et ouais, c'est une petite fierté et c'est un petit projet quand même qui commence à se concrétiser. Donc c'est sûr que ça fait plaisir. Bonjour, ça va? Oui. Vous avez travaillé avec les Bionix, qui ont produit des titres avec Matt Pokora, Matt Houston. Et aussi, vous êtes un studio qui est plutôt bien connu et très coté dans la musique. C'est là où on a fait Génération Goldman, par exemple. Voilà, on va passer une bonne journée ensemble et on va enregistrer 2 titres. Même si on a un peu la pression quand même, parce que c'est pas drôle sinon, on est quand même contente
Et on a surtout hâte de savoir ce qu'on va faire. Super, je vous enferme. Enfin, je t'enferme. On y va ? Ouais. Du début ? Ouais. C'est toujours bon pour toi dans le casque ? Mais oui. Super. Allez, c'est parti. Elle le fait bien. Ok, Lauren, c'est dans la boîte, merci. C'était super. Bravo. Bravo. Ça fait voyager en fait. Tu l'écoutes. Voilà. En tout cas, tout le monde ici est sous le charme. Hein. Ouais. Ça met vraiment en confiance quand on te dit que t'as vraiment réussi à emporter les gens dans ton univers, et surtout quand ça vient de professionnels. On y va. Closed off on love, I didn't need the pain. Once or twice was enough, and it was all in vain. I keep bleeding. Super. T'es contente? Oui. Ok, bah nous aussi, on va en faire encore une dernière. Parce que pour le plaisir, tu vois, on aime bien. Quand je suis en studio, je me sens vraiment dans mon élément et je pourrais refaire des prises un milliard de fois. Je me sentais super bien là-bas et si j'avais pu rester, je serais restée. Mais à un moment donné, il faut rentrer. Bah, écoutez, bravo toutes les deux pour les deux titres qu'on a enregistrés qui vont être super. Et là, je trouve que vous l'avez fait check-in de votre manière très très bien. Voilà, et je suis très content. Voilà. Bon, bah allez, un retour au château. Et à très vite. Oh, the wind whistles down the cold dark street tonight, and the people they were dancing to the music vibe, and the boys just the girls in their hair, while the shouting men who just sit way over there, and the songs they get louder, each one better than before. Tout le temps le réveil un petit peu plus tôt pour moi, parce que je mets plus de temps à me préparer, mais bon, je n'arrive quand même pas à me réveiller. Donc du coup, Lorraine se réveille pour me réveiller et elle retourne se coucher parce que c'est trop tôt pour elle, quoi. C'est un petit rituel. Dès que j'arrive à réveiller Zahira, j'ai gagné, j'ai le droit de me rendormir. Vendée. Vous êtes prêts? Ouais. Bonjour. Ça va? Bonjour. Oui. Amine. Bonjour. Salut. Bon, bah, Zahira. Donc voilà, une journée un peu particulière puisque c'est la journée fan. C'est super déjà impressionnant, rien que le mot fan, ça me fait bizarre. Dès que je vois ces cinq personnes, j'ai de suite hâte de discuter avec eux. Je me dis que, ouais, que ça va être une journée plutôt excitante. Ils ont gagné un concours. C'est Laurent qui a organisé le concours. On a couvert toute la Star Academy depuis le début. Et du coup, on a organisé un concours, ce concours exceptionnel pour passer une journée avec vous. Et donc voilà, les six gagnants, qui sont tous des super fans et vous suivent depuis le début. Donc voilà, mais c'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et... Bah, c'est un plaisir pour nous aussi de vous recevoir. Et comme une surprise ne vient jamais seule, cet après-midi, vous allez avoir une séance, votre première séance de dédicace pour signer votre album. Voilà, donc vous rencontrerez d'autres fans. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Je sais pas, vous avez des questions ou vous avez envie de visiter Moi, on peut visiter. Ouais, moi, je vais pas faire visiter le château à ceux qui sont pour Lorraine. Claire. Nous allons commencer par le studio. Ah ouais, d'accord. Ah,
Ah oui. Donc c'est ici que vous répétez. Quand même. C'est beau, hein. Ah ouais, c'est super, ça fait beau. Petit. C'est... La salle du TV, là-bas, au fond. Bah, allez, allez. Allez. Et 3. Merci. Ça, ça me rend ma chambre depuis le début. Tout le monde est venu faire crister, mais à la base, c'est. Ah, c'est ici que Daniel dort tous les matins. Ouais. Avec ouais. Pasta, oh, oui. Pour aller en cours. Le fameux Zaira. Étant donné qu'ils nous regardent tous les jours et pour le coup il y a une espèce de proximité qui fait qu'ils n'ont pas forcément de gêne ni de retenue par rapport à ce qu'ils ont envie de savoir. On a le droit à des petits potins du coup, ouais, des petits scoops. Posez-nous des questions. C'est la fin de l'aventure, moi je balance tout. Là c'est fini, on balance. Il y a des candidats qui vous ont déçu. Ouais, ouais, moi j'ai été déçue par Nancy. Ouais, et dans les cours ici, c'est lequel, enfin, prof ou cours, c'est lequel que vous préférez? Est-ce qu'il y a un... Je les aime tous. Ouais. Mais moi, mon prix était Récy Stéphane. D'accord. Moi, c'est enfin, je pense Juliette. Et voilà. Sonnerie carrément. Sonnerie. Bonjour. Ça va bien? Ça va. Bah écoutez, enchanté, hein, tous. On va aller en salle de cours. Ouais. Et on va faire connaissance. Puis on va aller travailler la musique tous ensemble. On essaye de faire tous ensemble. On met de l'énergie. Allez, 3, 4 et... Alors, il y en a 2-3 qui chantent vraiment super faux. Ah, il y en a 2-3, j'entends des trucs, là, il y a de l'harmonie, mais sans le vouloir. Ça vous dit qu'on essaie de travailler une petite chanson? Vous allez tous suivre le texte sur le papier. Comme ça, ça va vous permettre de voir comment ça se place sur la musique. Suivez bien le texte, hein. Regardez le texte, ne me regardez pas. Tout le monde. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Pas mal, dis donc. I believe I can fly. I believe I can fly. Eh, dis donc, c'est pas mal, hein. C'est grave. C'était assez rigolo de les voir comme ça avec... autant d'entrain et puis moi ça m'a fait plaisir de les voir en condition comme ça ils peuvent vraiment se rendre compte de ce qu'on vit ici au château et les cours qu'on peut avoir. C'est un très beau moment de pouvoir faire un cours de chant avec les fans parce que c'est vrai que là ils sont vraiment dans le truc, ils peuvent vivre toute la journée avec nous, ils voient ce que c'est de vivre ici et puis ils voient un peu ce que c'est nos journées quoi. On peut faire une petite photo de groupe? Oui, rapide. Oui, quand même. Je vous prends. Sur la scène de la forêt. Merci. 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 Merci beaucoup, parfait. Merci à vous. Bah, bonne chance hein, pour la finale. Ouais, courage. Bah, ouais, c'est ouais, 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 la courage. Courage. Merci d'être venu. La Picardie. Bonne chance. Ça va bien, merci. Bon après-midi, merci. À bientôt. Salut. Ça passe vite. On dirait bien que je me sens seule. Parce que mon Barbie me manque. Tu chantes ça comme ce truc là, trouve-moi un truc joyeux. Hein. Daniel est parti, je l'ai éliminé, je l'ai éliminé. Daniel est parti, et toi tu pleures, oui, tu vas pleurer. C'est moi l'oreille, je t'ai fait virer ton vin. Ah, ça te fait rire en plus, hein? C'est moi, Lorraine. J'ai gagné ma demi-finale. On est quand même
les deux dernières filles du château. Et le but du jeu, c'est qu'on puisse s'aider, se soutenir et finir cette aventure aussi bien qu'elle a commencé dans ce bel état d'esprit. Il va y avoir trois chats, Lorraine. Trois chats ? Trois personnes, quoi. Non. Non. Tu verras ce que je te dis. Il y aura peut-être les gens qui vont faire leur petit grand chat. Pardon. Avec Zahira, on part pour faire la promo de l'album en fait, qui a été produit avec les meilleurs moments des Primes. Un petit CD sympa dont on est assez fier, donc c'est vrai qu'on est contente d'aller faire la promo. Moi qui m'attendais à aller maximum 10 ou 15 personnes, on arrive et là c'est juste énorme le monde qu'il y a à l'extérieur. Il y a une file de malades et ça crie dans tous les sens. Je me dis mais c'est pas possible. Et j'ai de suite le réflexe de prendre la main à Lorraine parce que je me dis on est en train de vivre un truc qu'on vivra peut-être qu'une fois dans notre vie. Et on avance comme ça et pour rentrer dans ce fameux centre commercial et je me dis... Bah, il y a vraiment beaucoup de monde. Et pour le coup, dès qu'on ouvre la porte, il y avait la même chose fois deux à l'intérieur. Les sourires que j'ai pu avoir, les compliments qu'on m'a fait, les encouragements que j'ai reçus, tout cet amour, peu importe la forme, ben, ça me touche. Dans un instant, dans la Star Academy. Au moment où on a dû partir, j'ai juste senti un gros cri de foule, quoi. Et après, je me suis pas rendu compte vraiment de ce qui s'est passé parce qu'on a de suite été transporté par la sécu à l'extérieur. Et c'est après coup qu'on nous a expliqué que bah, y avait tellement de monde que bah, les barrières sont tombées et pour notre sécurité, fallait partir. On est de nouveau plus que deux, ce qui fait que c'est complètement calme, il n'y a plus aucun bruit. Mon Dieu! On se regarde, mais on ne sait pas quoi dire. On est bloqué. Le seul mot qu'on a à la bouche, c'est dingue.
quoi cette connerie? Allô? Allô, oui, c'est Lorraine? Non, c'est Zahira. Zahira? Oh, Zahira! Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu, c'est la rage, je suis plein de savoir au téléphone. Oh, Zahira, je voulais te dire, c'est magnifique. C'est gentil, merci. C'est vraiment une diva quand tu chantes. J'ai vraiment des frissons, c'est adorable. Et j'ai suivi tous les primes de la Star Academy. Putain, mais tu, je sais pas quoi dire. Aïe. C'est vraiment une personne magnifique. Ta voix, elle est extraordinaire. Je pense que tu vas avoir l'avenir. On va t'entendre sur toutes les ondes. Tu le mérites, Zahira. C'est vraiment quelqu'un de exceptionnel. Putain, mais merci, franchement, merci beaucoup. Zahira, je te fais de gros bisous et je te dis bonne chance pour jeudi. Et je serai là sur le plateau pour te soutenir. Merci. Moi aussi, je te fais de gros bisous. Rien compris. C'est quoi ce délire? Mais c'est trop bizarre. Mais qu'est-ce que c'est? Attends, t'installes pas, hein. Je sens que ça va ressonner, ma belle. Dring. Putain, j'ai hâte que ça appelle pour toi, là. C'est n'importe quoi dans cette baraque. Allô? Allô? Oui? C'est Lorraine? Oui. Oh, Lorraine, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Oh là là, t'es la meilleure, t'es la plus belle, tu chantes trop bien. Oh là là. Oh là là, je suis fan de toi. J'ai voté 1 milliard de fois pour toi. Tu vas gagner, c'est sûr, t'es la meilleure. Oh là là. Merci, t'es trop mignonne. Reste comme t'es, ne change jamais. Hein. T'es trop belle. T'es trop belle. Promis, je changerai pas. Allô? Mes copines et moi, on est là vraiment en ligne de que tu gagnes et on est tout cœur avec toi. C'est gentil, merci beaucoup. Allô? Ça fait un super prime jeudi. Merci. Allô? Bats-toi jusqu'au bout, c'est vraiment la fin là et franchement, tout le monde compte sur toi, on veut absolument que tu gagnes et c'est une battante. Comptez sur moi et merci de me soutenir en tout cas, franchement merci beaucoup. Zahira? Non, je vais te la passer. Zahira, un jeune homme pour toi. Allô? Oui, Zahira. Oui, ça va? Je m'appelle Jérémy. Ça va? Oui, est-ce que je voulais te poser une question? Ouais. Est-ce que t'es triste depuis que Daniel est parti? Ben oui. Oui, forcément. Et t'as pleuré? Oui, j'ai pleuré. T'as pleuré pour maman, bébé? Bah, je te connais pas, je peux pas encore pleurer pour toi. Si tu veux me faire pleurer, on va pas s'entendre déjà. Mais moi je te connais pourtant. Oui, mais moi je te connais pas. Mais moi je te connais. Comment ça, toi tu me connais? Bah, moi je te regarde à la télé. Ah, mais oui, évidemment, je sais que tu me regardes à la télé, mais moi je te connais pas, donc tu vas pas me faire pleurer quand même. Mais je t'ai déjà fait pleurer plein de fois pourtant. Non, je comprends pas le. Tu peux m'expliquer? Bah, je suis partie que jeudi en même temps, donc je t'ai déjà fait pleurer plein de fois avant. Mais ah! Il a commencé à l'aider! Bébé! Ça va? Non, ça va pas! Ça va! Vas-y, mais dis-moi plein de trucs, putain! C'est Daniel! T'as pas reconnu que c'est Daniel? Elle t'a pas reconnu? Mon bimbe de l'amour de ma vie! Mais oui! Moi, je suis sûre que tu m'as oublié là déjà, ça y est, tu te la pètes là dehors. Mais tellement pas. Non, je pense qu'à toi. Tout le monde, vas-y à fond, puis on te voit dans pas longtemps. T'inquiète, franchement, je suis motivée à fond. Je me bats pour moi, parce que c'est normal, mais je me bats pour toi. Mmh. Et t'inquiète même pas, quoi. C'était vraiment pour moi la cerise sur le gâteau. Déjà que toute cette journée, ça m'a reboosté à chaque fois. Je prenais du power, comme un peu dans les jeux vidéo. Le fait d'avoir Daniel en dernier, ouais, ça a été encore un gros boost. Et du coup. J'ai bien fini cette journée. Mais merci, je vous aime à la folie! Merci! Merci! C'est vraiment un déclic pour moi de pouvoir être en contact avec les fans parce que c'est quelque chose qui me donne vraiment de la force à l'approche de la finale et de pouvoir les rencontrer, de voir qu'il y a des gens vraiment qui me soutiennent, ça me motive beaucoup.
le prochain épisode... Mais quelle folie d'entrée ici! Ah, on va! On va!